Découvrez aujourd'hui le balai qui va vous changer le quotidien. Le balai raclette Gardirex. D'un côté, il gratte, de l'autre, il racle. C'est aussi simple que ça. Son côté grattoir est aussi résistant que les rotophiles les plus puissants. Comme balai traditionnel, il est plus qu'efficace, car la combinaison des poils avec sa large tête de 42 cm permet un travail rapide et facile, que cela soit en poussant ou en tirant. Sur tout type de surface dure, il va déloger saleté, poussière et feuilles en un clin d'œil. Grâce au Click System breveté, une fois la tête emboîtée, elle ne bougera plus. Ajoutez à cela son manche télescopique pour s'adapter à toutes les morphologies. Maintenant, parlons nettoyage. Un peu d'eau, du savon et le balai révèle son véritable potentiel. Il nettoie, déloge et désincruste la saleté en profondeur et tout cela sans aucun effort. Et pour ce qui est de nettoyer les joints, là aussi il est parfait. Redonnez-leur leur aspect d'origine en seulement quelques passages. Il suffit de rincer et de racler. Nettoyer vos allées, terrasses et balcons devient enfin un vrai plaisir. Maintenant, parlons finition. Retournez le balai et vous voilà équipé d'une raclette à l'efficacité incomparable. Sur tous les types de sol dur, vers l'avant ou vers l'arrière, sa large tête de 42 cm vous facilite le travail. Sur les carrelages, la pierre, le béton, en un passage, c'est raclé sans en laisser une goutte. Pour les très grandes surfaces vitrées, elle est incontournable. Un passage et c'est nettoyé sans le moindre effort. Pour nettoyer en hauteur, le balai raclette Gardirex est indispensable grâce à son manche télescopique. Sa raclette fait réellement merveille dans toutes les situations. Encore une astuce, le côté brosse est parfait pour dépoussiérer les tapis en profondeur. Regardez vous-même, niveau nettoyage, le manche et la tête sont imputrescibles. Un simple passage au jet d'eau et le revoilà comme neuf. Le balai raclette 2 en 1 Gardirex, un côté brosse, un côté raclette, pour nettoyer et racler en un seul geste.